Salut les collègues, petit tutoriel pour la Corée de vendredi 20 à midi ou midi et demi. Donc voilà, c'est sur la musique d'Alingo, je la ferai juste après. Et pour l'instant, je commence par vous montrer les pas. Donc imaginez bien sûr que vous êtes derrière, on va faire ça tout doucement. La musique va commencer, on est en ligne, on avance tout doucement, on a une casquette et on se place pieds joints. Les premiers 8 temps sont comme ça, juste flexion du genou droit sur 8 temps, tête baissée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on écarte les bras, on garde la tête baissée et même fois 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout petit déplacement, commencez par le pied droit avec le pied gauche qui suit ceci sur 8 temps, ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et demi-tour en tournant sur la gauche, ça c'est pour Véronique, en débutant avec le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose, mais orienté de dos. On commence par le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient sur place en tournant vers la droite avec le pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est la première partie qu'on fait tous ensemble. Après, il y a un moment où on explose un petit peu et on va se faire des petits checks par deux ou par trois, un petit check rigolo, une tape sur la fesse ou un petit check qu'on vient ici, ou une bise pour ceux qui veulent, le temps de prendre un petit peu d'espace, puis de se replacer face à la 16 dans une formation un petit peu différente, où là on fait le moment chorégraphique. Et le moment chorégraphique, il est assez simple, il reprend assez souvent le même pas. On est pieds joints, on commence avec le pied à droite, et ça nous donne ça. Je le fais en entier une fois. 1, 2, je reviens au milieu. 3, 4 au milieu. 5, 6, 7, 8. Et c'est ce passage-là qu'on reprend très souvent. Pied droit, il part devant. 1, et il va derrière. 2, avec les bras qui se placent. Et 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Donc deux fois de suite. Après ça, ça enchaîne du coup avec petit saut, 2, petit saut, 4, 5, 6, petit saut. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là-dessus, vers la droite. 1, 2, 3, on saute en tapant. 5, 6. 7, on saute en tapant et on reprend. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. Pareil, mais vers l'arrière. 3, on essaiera d'être bien grand dans nos déplacements pour qu'il y ait un changement un petit peu. Et même principe. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Il faudra juste le retenir. Et après ça, on explose en deux colonnes. Orienté. Pas complètement l'une face à l'autre, mais un petit peu vers le public. On choisira un peu comme on veut. Pour une simulation de mini battle, on se met juste en scène et quand on est dans un côté, on tape des mains, on regarde les autres. De toute façon, les élèves sont à fond. Et puis là, on se met en scène chacun à notre tour, par un ou par deux ou par trois, juste pour passer un petit peu sur l'espace de scène et faire un petit moment danser. On l'a vu tout à l'heure, j'y vais, quelqu'un d'autre vient faire son petit mouvement. Hop, un petit truc, ça peut être un truc machin que vous avez répété si vous voulez. Et on revient. À la fin de ça, encore le moment où il y avait les checks, c'est la même musique, on ne fera pas les checks cette fois-ci, mais juste on prendra un peu l'espace en regardant et en étant un peu au ralenti. Et une fois de plus, la chorégraphie, groupée tous ensemble, qui reprend. Et un final où on se recule, on se remet ensemble et on salue sur un petit clic. Et après ça, on mettra, on va s'aimer, on va danser, c'est la vie, la 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 la. Donc je vous la fais une fois en entier avec la musique, en espérant que ce soit pas trop lourd. Go! She's
Faut bosser maintenant. Hein?